Est-ce que c'est vraiment Kylian Mbappé qui a dégagé Neymar du PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Neymar, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, les amis, est-ce que c'est vraiment Kylian Mbappé qui a dégagé Neymar du PSG? Moi, je pense que c'est en partie Kylian. Vous savez que lorsque Neymar est arrivé en 2017, c'était lui la superstar. C'était le joueur sur qui le projet devait tourner. Mais lorsqu'il arrive, Kylian Mbappé aussi arrive la même année en provenance de Monaco. Et du coup, donc, Kylian Mbappé est, entre guillemets, sous les ordres de Neymar. Mais petit à petit, Neymar se blesse et Kylian Mbappé prend le leadership au fur et à mesure. Et lorsque Kylian prend le leadership au fur et à mesure, vous savez, lorsque tout le monde en parle de toi, les médias, forcément, l'ego augmente. Kylian Mbappé, son ego a donc augmenté. Et du coup, donc, lorsque vous êtes dans un gros vestiaire, c'est un vestiaire d'ego. Kylian qui a son ego déjà et Neymar qui a également son ego, que comment un joueur, un gamin peut venir me, entre guillemets, dépasser. Tu vois un peu. Et du coup, donc, l'entente qu'il y avait entre Neymar et Kylian a commencé à se dégrader parce que, il faut qu'on se le dise, lorsque Neymar arrive au PSG avec Kylian, ce sont des potes. Ce sont des potes et au fur et à mesure, l'amitié commence à se dégrader. Du coup, donc, comme Neymar a un ego surdimensionné, il a commencé déjà à demander son départ. Ensuite, Kylian a commencé à lancer des piques que non, il faut bien manger, il faut bien dormir, etc. Et Neymar aussi, je peux aussi dire que c'est lui aussi qui aussi à l'origine. C'est lui qui a l'origine de toutes ces choses, les gars. Parce que il faut pas qu'on se le mente. Hein. Neymar, il joue au poker à 2 heures. Comment un club peut être fier de cette attitude? Aucun club. Il n'y en a aucun. Donc, les amis, moi, je pense que l'ego des deux hommes, c'est ça qui a créé la guerre. Et comme Neymar ne voulait plus supporter être, comment dirais-je, le soldat des clients, il a préféré s'en aller. Il a préféré s'en aller. Et c'est dommage. Pour moi, Neymar, c'est un talent gâché. C'est un talent qui devait au moins remporter un ballon d'or. Il ne l'a pas fait. C'est un talent qui devait permettre au moins au PSG de remporter la Ligue des Champions. Parce qu'il a fait 6 ans au PSG. 6 ans. 6 ans, ce n'est pas 6 mois. Ce n'est pas un an. C'est 6 ans, les amis. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.